C'est bon, mes parents se sont enfin lassés de dire face de bouc. Maintenant, ils disent Amstramgram. Trop des barres, maman, je veux mourir, tuez-moi. Mes parents ont quand même progressé en technologie, hein. Maintenant, ils savent que c'est un bureau, un copier-coller, une fenêtre. Maintenant que Snapchat est sorti, on repart à zéro. Oui, maman. Comment je fais pour avoir la tête de chien comme toi? Ah oui, le filtre Snapchat. Ok, t'es sur Snapchat là? C'est le jaune? Ouais, voilà, tu vois ton visage? Oui, oui. Ok, maintenant, tu restes appuyé sur ton visage. Et tu glisses sur la droite. Jusqu'à ce que tu vois le chien. Oh bah oui! Je vois le chien! Voilà, bisous. Ouais, ma mère est sur Snapchat, ouais. En fait, elle est absolument partout. Le pire, c'est quand elle essaye de poster un commentaire sur Facebook sous une photo de moi en vacances, elle laisse « C'est bon, j'ai retrouvé ton carnet de santé !» Et bien sûr, tous mes potes qui lui répondent pour bien me foutre la honte. Non, maman, j'espère que tu as passé des bonnes vacances. Ça, c'est un commentaire Facebook. Pas se prendre le pain, ça n'a rien à faire sur mon mur, c'est un SMS, ça. Et en parlant de commentaire, la dernière fois, elle m'a fait la meilleure. T'as pas répondu à mon commentaire? Quel commentaire? T'as posé ça où? Bah sur YouTube, sous ta dernière vidéo. Maman, j'ai plus de 10 000 commentaires sur mes vidéos, t'es au courant de ça? Ah bah d'accord, c'est comme ça que tu traites ta mère. Mais non, maman, sur YouTube... J'aurais dû demander des pouces bleus. Quoi? Ma mère m'a ajouté sur tous les réseaux sociaux. Il en manque pas un, y a pas un réseau social où je suis tranquille. J'ai l'impression qu'en fait, elle peut sévir à tout moment comme ça, mettre un like ou un commentaire. Fais une petite photo? Allez! Cool. Merci. Poste-la sur Amstramgram, je te mettrai un commentaire. Bon, mes parents galèrent un petit peu avec la technologie, mais c'est rien à côté de mes grands-parents. Là, on atteint des sommets, c'est artistique, quoi. La dernière fois, ma grand-mère a essayé de me prendre en photo avec mon propre téléphone. Moment culte. Ah, si, non, non, si, non, si, mamie, si, je vais le faire. Laisse-moi ça, c'est le fils. Non, ça va pas marcher comme ça. Le pire, c'est qu'elle a réussi à prendre la photo. Comment t'as fait ça? Sans faire exprès avec son nez. Ta mamie, elle s'y connaît. Ah bah oui, ça marche. Hop là. J'ai pris une photo. Alors depuis peu, elle a son propre smartphone. Mais ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle appelle tout le temps en FaceTime. Mamie, t'es en vidéo là. Mais j'ai un nouveau téléphone. Merci, merci pour oui, le cadeau. Mais je parle à une oreille, tu comprends ça? Après des heures de discussion avec une oreille, elle a enfin compris qu'elle était en vidéo. Maintenant, je parle à un front. C'est bon là? Moi, je te vois bien. C'est un peu mieux. Voilà, ça c'est le cadrage typique des vieux, ça. Je me rends compte que les vieux n'utilisent pas la technologie de la même manière que nous, hein. Dans le téléphone de ma grand-mère, il y a le bridge. On s'est tous cotisés pour lui offrir un téléphone à 500 balles. Elle peut jouer à des jeux en 3D, des jeux de stratégie, au no quiz, télécharger-le gratuitement. Mais non, elle joue à un jeu de cartes. Et quand je vois les nouveaux trucs qui sortent, par exemple les écouteurs sans fil, 180 balles, merci Apple, je me dis ma grand-mère, elle doit être totalement paumée. Elle doit rien comprendre. Qu'est-ce que tu cherches? Mes écouteurs, ils étaient là. Oh, c'est bon, je m'en suis occupée. De mes écouteurs? C'était cassé. Il y avait plus de fil. Je les ai jetés. T'as jeté mes écouteurs? Oh, c'est fragile, ces trucs-là. Les fils qui cassent. C'est dommage. T'as jeté mes écouteurs, mamie? 180 balles! Ma grand-mère, il lui a fallu 2 mois pour installer sa box internet. Elle était totalement paumée. C'était impossible pour elle, entre les prises téléphoniques, les box, les CPL, les câbles Ethernet, tout ça, elle était paumée. Je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée de soutien pour ceux qui travaillent dans les centres d'appel, du service après-vente pour les box internet. Avec les vieux qui appellent là, c'est... Courage, les gars! Ok, ça va bien se passer. Ça va être mieux qu'hier. Je vais avoir que des jeunes. Oui, monsieur Lucien. On va reprendre depuis le début. Est-ce que votre câble d'alimentation est bien branché? Ok, je peux le faire. Oui, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, ma box elle marche pas, je comprends rien. Bon, je suis un peu dur avec les vieux, c'est vrai, hein. Pour une fois, on peut leur apprendre quelque chose. C'est une passation de connaissances, c'est beau quand même. Merci d'être passé et merci de m'avoir expliqué pour mon téléphone. Ça, c'est rien, mamie. Attends. Ils ont quand même quelque chose dont on rêve tous. Il te reste 90% de batterie? Il est 16h. Chance. Oui. Si tu m'appelais plus souvent, même un SMS, peut-être que j'aurais moins de batterie. T'as raison, mamie. Promis, je t'appellerai. À bientôt. Il a cru quoi, lui? 90% à 16h. Il est fou. Allez, le bridge. Abonne-toi.